Les tissus Kant du Ghana. Les tissus Kant du Ghana sont parmi les textiles les plus emblématiques et culturellement riches d'Afrique de l'Ouest. Originaires des Akanes, ils sont non seulement des œuvres d'art mais aussi des symboles de l'identité, de l'histoire et de la culture ghanéenne. Plongeons dans l'histoire fascinante de ce tissu exceptionnel et découvrons ce qui le rend si spécial. Origine et symbolisme. Le Kant trouve ses racines dans l'histoire ancienne des Akanes du Ghana. Selon une légende populaire, deux chasseurs ont découvert l'art de tisser en observant une araignée tisser sa toile. Inspirés par la complexité et la beauté de la toile, ils ont appris à tisser des motifs similaires avec des fils de coton et de soie. Ainsi, le kant est né, unissant la créativité humaine à l'ingéniosité de la nature. Chaque motif, couleur et dessin du kant a une signification symbolique. Par exemple, le jaune représente la richesse et la royauté, le vert symbolise la croissance et la régénération, tandis que le noir évoque la spiritualité et la maturité. Les motifs eux-mêmes peuvent raconter des histoires ou véhiculer des proverbes, transformant le tissu en une forme de langage visuel. Technique de tissage. Le tissage du kant est une compétence hautement spécialisée, souvent transmise de génération en génération. Les tisserands principalement des hommes, utilisent des métiers à tisser traditionnels pour créer des bandes étroites de tissu. Ces bandes sont ensuite cousues ensemble pour former des pièces plus larges. Le processus de tissage est minutieux et exigeant, chaque motif nécessitant une attention particulière pour s'assurer que les dessins et les couleurs soient parfaitement alignés. Cette précision est ce qui donne au conte sa beauté et sa complexité incomparable. Chaque pièce de Kant est unique, avec ses propres motifs et couleurs spécifiques. Usage et importance culturelle. Historiquement, le Kant était réservé à la royauté et à l'élite, porté lors de cérémonies importantes comme les couronnements, les mariages et les fêtes religieuses. Aujourd'hui, bien que le Kant soit plus accessible, il conserve son statut de vêtement de prestige. Il est souvent porté lors de grandes occasions pour symboliser l'unité, l'héritage et le respect des traditions. Les motifs et les couleurs du Kant ne sont pas seulement des décorations. Ils portent des messages sur le statut social, les réalisations et les valeurs de ceux qui les portent. Par exemple, un motif particulier peut représenter la sagesse, la bravoure ou la beauté. En portant du Kant, une personne peut communiquer son respect pour la culture et les traditions de ses ancêtres. Évolution et influence moderne. Le Kant a également trouvé sa place dans la mode contemporaine, au-delà des frontières du Ghana. Des designers internationaux intègrent des motifs Kant dans leur collection, et le tissu est souvent vu sur les podiums du monde entier. Cette reconnaissance mondiale a renforcé l'importance du Kant, faisant de lui un ambassadeur culturel du Ghana. Les jeunes générations, tout en respectant les traditions, innovent avec le Kant. Il l'intègre dans des styles modernes, le combinant avec des vêtements occidentaux ou créant de nouvelles façons de le porter. Cette adaptation montre comment une tradition ancienne peut évoluer et rester pertinente dans le monde moderne. Conclusion. Les tissus Kant du Ghana sont bien plus que de simples textiles. Ils sont des trésors culturels, des symboles de l'identité et des œuvres d'art. Chaque pièce de Kant est un témoignage de l'histoire, de la créativité et de la résilience des Akan. Les motifs et les couleurs tissés dans ces tissus racontent des histoires, transmettent des valeurs et célèbrent la vie. Le Kant continue de captiver et d'inspirer, prouvant que la mode peut être un puissant vecteur de culture et d'héritage. En portant du Kant, les individus célèbrent non seulement leur héritage, mais aussi l'art et le savoir-faire de leurs ancêtres. Chaque motif, chaque couleur et chaque broderie raconte une histoire, transformant le tissu en une toile vivante de la riche histoire culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Que ce soit lors des grandes cérémonies ou dans la mode contemporaine, le cante reste un symbole de fierté et d'identité culturelle, portant l'héritage des akanes dans chaque fil et chaque motif. Les tissus cantes du Ghana.